Émeline et Monde, soyez les bienvenus dans cet été sympa. Ça fait déjà plus de 15 ans que vous connaissiez. Vous étiez bien jeune lorsque vous êtes rencontrés et vous avez fait tout ce chemin ensemble. Vous n'avez pas hésité à traverser la France pour vous retrouver et aussi pour dire votre amour, votre soutien. C'est entouré de vos deux enfants, Noé et Lucie, que nous sommes rassemblés ici. Voilà, depuis 2 ans, il y a eu une demande en mariage qui a été faite et il me semble que c'était aussi à la suite d'un autre mariage. Voilà, ça vous a donné le désir de vraiment avancer et à recevoir ce beau sacrement du mariage. Je veux dire aussi que ceux qui sont ici présents aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des déclarations d'amour à la suite. Soyez les bienvenus, vous tous qui entourez Émeline et Mandol. Ce chemin que vous avez parcouru ensemble vous a permis aussi d'avancer dans la foi avec le désir que le Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous, qui donne sa vie par rapport à vous, et bien vous accompagne tous les jours de votre vie comme il l'a promis. C'est le sens aussi de la croix que l'on va tracer maintenant sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours. Et ensemble, on peut chanter. Leur cœur
seuls celles de la parole qui vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
même les pécheurs en sont autant. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour leur rendre l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et on vous donnera. C'est une usure bien pleine, placée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure que vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes courageux. Voilà, depuis le jour où vous êtes rencontrés, puis c'est vrai que même par vos professions, tous les deux, vous donnez pleinement, vous donnez aussi pleinement à l'égard de vos enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute cette hymne à l'amour, cette hymne à la charité de Saint Paul aux Corinthiens, eh bien Saint Paul évoque finalement différents types de situations, hein, à la fois des gens qui sont très intelligents, à la fois des gens qui sont comme des héros, voilà, qui sont prêts à livrer leur âme dans le feu, et puis aussi des gens qui ont aussi une grande foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais Saint Paul va dire une chose, c'est son expérience, l'expérience qu'il a vécue, c'est que s'il lui manque de l'amour, tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, on peut être courageux, on peut être intelligent, on peut être héros, on peut avoir une foi immense. Et l'amour dont il parle, c'est pas l'amour que vous avez connu lorsque vous avez rencontré, c'est pas l'amour sentiment, c'est pas l'amour d'attraction, mais l'amour dont parle Saint Paul, l'amour de Saint Paul, c'est l'amour qui est nom de Dieu. Et ça, ça doit nous rassurer tous. Alors, juste avant de rencontrer, je voyais mon homme qui prenait sa respiration, qui soufflait, comme si tout allait dépendre de lui. J'avais envie de lui dire, attends, mon homme, c'est pas toi qui vas parler, c'est toi qui vas parler dans quelques instants. Moi qui devrais se laisser. Mais non, voilà, en fait, il faut bien découvrir que l'amour qui est doux, ça veut dire que, au fond, ça ne va pas tellement dépendre de vous, que de la manière dont vous allez accorder le nom de Dieu que vous avez fait aujourd'hui, dans le sacrement du mariage. Parce que si vous êtes venu dans cette église, c'est pour recevoir, venir avec comme des pauvres, avec des mains ouvertes, pour recevoir un cadeau que le Seigneur veut vous faire. Il veut vous donner maintenant sa présence au milieu de vous, pour que, avec la force de son amour, et bien vous puissiez vous aider par-dessus vous. Alors vous aider de la manière dont parle Saint Paul, hein, même lorsque la patience n'est plus là, même lorsque il y a de la colère, même lorsqu'il y a de la rancune, lorsque voilà, Saint Paul vient de dire que au fond, l'amour et bien nous transforme complètement. Patient, il nous fait, il ne vient pas nous chercher, pas chercher de l'intérêt. Et c'est d'ailleurs cette bonne nouvelle que Jésus nous adresse dans l'évangile. Et en écoutant cet évangile que vous avez choisi pour votre mariage, en Saint-Luc qui nous parle de la miséricorde et qui nous invite à être miséricordieux, que le Père du ciel est miséricordieux, et bien je pensais aussi à ce geste cette femme a fait sur les pieds de Jésus, juste avant son dernier repas, où elle a pris un parfum incanti et qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, avec ses cheveux, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et puis Jésus a dit, va partout, l'évangile sera proclamé sur les vues du geste
parle d'aimer, et pas d'aimer seulement ceux avec qui on s'entend bien, ou avec pas seulement nos amis. Et Jésus dit, ben, aimez vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous en attendre? Ça veut dire que pour arriver à aimer ses ennemis, eh bien, il faut une double force. Voilà, on n'est jamais assez d'être seul pour aimer ses ennemis.
Émilie et Bourdon, je vous invite à vous lever. On a pu entendre dans la prière qu'on a adressée au Seigneur tout à l'heure, c'est pour heureux qui craint le Seigneur. Et voilà, celui qui craint le Seigneur, c'est celui qui veut vraiment être, se comporter comme un fils ou une fille à l'égard de Dieu, celui qui cherche à ne pas déplaire à son Père. Et aujourd'hui, bien, en vous mariant, en vous engageant dans le sacrement du mariage, la foi dans la fidélité, voilà, avec le désir que votre mariage voilà, rayonne autour de vous et que cet amour grandisse sans arrêt, et puis en pleine liberté aussi. Voilà, bien, vous souhaitez vivre dans cette, en cherchant à plaire au Seigneur, et ce qui vous est promis, ben, c'est d'être heureux. Heureux, celui qui craint le Seigneur. Voilà, ce bonheur de Dieu, c'est d'ailleurs le chemin de la sainteté pour chacun d'entre nous. Alors pour être heureux, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur ce don de Dieu qui va vous être fait dans quelques instants. Je vais demander à vos témoins de se lever, vous en trouverez. Invoquer l'Esprit Saint, ce tour.
Puisque vous êtes décidé à vous engager dans les lieux du mariage, je vais vous inviter à vous donner la main et à échanger maintenant vos consentements. Et maintenant, on peut appeler sur ses époux la bénédiction de notre Dieu et leur faire grâce du mariage que lui-même la renouvelle sans cesse en son amour. Seigneur notre Dieu, créateur de l'univers et de tout ce qui vit, tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance. Et pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur capable d'amour. Tu as voulu qu'aujourd'hui dans cette église, et me dire, qu'ils prennent comme acquis la construction d'un monde plus juste et fraternel.
Notre Père,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis. Lui qui a voulu être présent pour la soupe de Catherine. Qui ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Lui jusqu'au bout est aimé son Église. Amen.
bien vous tourner vers la Vierge Marie. Voilà, on va vous recommander à la tendresse de la Vierge Marie. On va demander qu'elle intercède auprès de son Fils afin que vous ne manquiez jamais de rien tout au long de votre vie. Vous pouvez vous asseoir.